Bonjour à vous, les amateurs de jeux de société. Je suis Angelo. Je suis Brigitte. Nous sommes des touristes ludiques. Et ensemble, nous formons la chaîne Brigello. Angelo. Brigitte. Comme vous l'avez vu dans l'intro de la vidéo, on est parti au Japon. Voilà, mais on est revenu aussi. Oui, très mauvais état. Oui, on est épuisé. Donc, l'aller. C'était 14 heures de vol. Un peu moins, 13, mais. Ouais, 13h30, direct jusqu'à Tokyo. Donc 8 heures dans le futur à Tokyo. Et donc là, ça s'est passé comme une fleur. Donc vraiment, voilà. On est arrivé, on était à fond les manettes. Voilà. Par contre, le retour, les 13 heures, presque 14 heures de vol de retour, arrivé 8 heures dans le passé à Bruxelles, on s'est pris le décalage horaire dans les dents, mais d'une force à laquelle on ne s'attendait pas. Quoi. Donc, pas du tout. Donc on n'est pas encore tout à fait remis. Mais en tout cas, on est très contents. Ça, voilà, parce que c'était un très beau voyage, parce qu'on a acheté des jeux. On a acheté des jeux. Alors, pour ceux qui sont intéressés par des petites anecdotes de voyage ou quoi, on en parlera à la fin de la vidéo. Si ça vous intéresse, on en parlera un tout petit peu à la fin de la vidéo. Je mettrai des images. Mais voilà, on a acheté des jeux. Et où est-ce qu'on a acheté des jeux, Brigitte ? Mais dans différentes boutiques Yellow Submarine. Donc, c'est une chaîne, parce que nous, on pensait qu'il n'y en avait qu'à Tokyo. Mais au final, il y en avait quasi dans chaque partout, ville oui. où on est allé. Et donc, ben, on en a fait 4. On en a fait 4. On a fait 2 à Tokyo, un dans le quartier d'Ikebukuro, qui était à côté de notre hôtel, un dans le quartier d'Ikahabara, Akihabara, j'avais jamais prononcé. Voilà. Un à Kyoto et un à Himeji. Himeji, ben, voilà. On avait repéré aussi celui d'Hiroshima, mais on n'a pas eu le temps. Et on a préféré aller prendre le temps de manger dans un izakaya. Voilà. C'était super. C'était on conseillera à la fin. Let's go. Direct. Thank you.
Alors, on a fait que les boutiques et les sous-marines parce qu'on avait un timing très restreint. On était en petit groupe et on a fait un tour. On a vu énormément de choses en très peu de temps. Et donc, le temps qu'on pouvait s'allouer pour nous-mêmes était très restreint. Et donc, il y a des cafés-jeux, il y a des boutiques où on peut acheter des jeux de société en occasion. Voilà, mais on s'est concentré sur les yachts sous-marines parce que c'était très facile et ils étaient très faciles à trouver et toujours assez proches de d'où on était. Donc, j'avais pas vraiment, moi, fait une liste précise de jeux que je voulais acheter. Il y en avait un ou deux que tu voulais vraiment trouver. J'en avais un ou deux en tête. Qu'on a trouvé. On en a trouvé un. Alors, pas mal de jeux que moi je voulais à chaque fois, on me disait qu'ils étaient sold out, donc il y avait beaucoup de trucs sold out, mais on a quand même trouvé des choses. Alors, on a joué à aucun. Enfin, s'il y a quelques jeux qu'on a joué, il y en a un que j'ai joué avec Dom cette semaine. C'est une amie. Mais voilà. On ne sait pas grand-chose au hasard. Au feeling. Et sur la hype aussi, parce qu'il y a des jeux dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la hype des jeux japonais, des jeux de pli. Donc, je vais ouvrir mon Chromebook, qui a le gros avantage d'être tout à fait silencieux, me mettre sur la page de Board Game Geek, et à chaque fois qu'on va prendre un jeu, on va regarder les infos. Et c'est comme ça qu'on va faire, parce que finalement, on n'a pas forcément beaucoup de connaissances sur les jeux qu'on... On les jouera. Dans les semaines qui viennent, on les jouera. Ouais, ça, c'est un challenge, quand même. Ouais, quand même. Parce que ce sont beaucoup de jeux de cartes et de jeux de plis qui se jouent à plusieurs deux. Donc, il va falloir organiser ça. En plus, nos groupes de joueurs, on ne peut pas dire que ce soit les plus grands amateurs de petits jeux de cartes. Hein. Ils acceptent d'en jouer, mais toujours entre deux plus gros jeux, donc c'est quand même pas si simple. Voilà. On a juste Dom qui elle, est intéressé. On dit bonjour à Dom. Salut Dom, je perds ma voix. Donc, alors, le jeu que je suis le plus content d'avoir trouvé, ben, c'est Noko Sudice. Alors, ça, c'est vraiment le jeu qui m'a fait râler lors du dernier salon d'Essen. Oui. Quand on est arrivé à Essen, tous les deux, on s'est splittés. Brigitte, elle a été vers le stand de Own Game, et moi, j'ai été vers le stand où ils vendaient ce jeu-là. Et quand je suis arrivé, il était déjà épuisé. Mais je pense que les gars, ils avaient 50 boîtes le premier jour, quoi, un truc comme ça. Donc, mais là, finalement, boutique de Kyoto. Oui, à Kyoto, c'est ça. On l'a trouvé. Voilà. Alors, Noko Sudice, c'est un jeu de plis avec des cartes et des dés. Et c'est tout ce que je sais à son sujet et que ça se joue à 3 à 5. Alors, si je tape Noko Sudice... Tout ce qu'on sait aussi, c'est qu'Angelo le voulait absolument. Oui. Et donc, coup de bol, parce qu'aux deux autres boutiques, on nous a dit que c'était totalement épuisé. Oui, tout à fait, sold out. Ils nous répondaient toujours sold out, sold out. J'avais préparé une petite phrase en japonais aussi pour demander des conseils sur des petits jeux de cartes sympathiques et des petits jeux de plis. Il n'y a qu'un seul employé dans une seule boutique qui a bien voulu m'aider. Malheureusement, tous les jeux qu'il m'a conseillé, je les avais déjà. Donc, voilà. Mais il était très sympa. Alors, Noko Sudice, c'est un jeu, boum boum boum, je vais regarder plutôt sur la boîte, de Yusuke Matsumoto. Et on va voir ce que ce monsieur, il a fait d'autre, vite fait. Alors, on a Zoro qui se balade entre la caméra et le micro. Très intrigué par toutes les boîtes qui se trouvent devant nous. Et là, il frôle le micro. Je ne sais pas si ça fait du bruit ou pas dans le micro. Si on l'entendra, on verra bien. Et alors, apparemment, ce monsieur, il a fait que Noko Sudice. Voilà. Et donc, on va juste... Donc, on ne va pas s'amuser à lire la règle ou quoi que ce soit. On sait que c'est un jeu de plis, c'est à base de dés. Apparemment, au dos de la boîte, ils disent que l'objectif, c'est de faire un nombre de plis égal au nombre du dernier dé. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie, mais il faut, à en mon cas, avis... un joli petit on fait sac. Un pari, oui, on fait un pari sur les plis, on essaye. Il y a un joli petit sac. Franchement, je suppose qu'on mettrait les dés. Il y a plein de dés, voilà. C'est des dés en bois. Il y a des cartes. Et il y a des cartes dont j'ai déjà enlevé le plastique. Qui sont... Il y a un petit élément, à mon avis, c'est pour placer le dé. Oui, tout à fait. Donc, les cartes. Voilà. Voilà. Il y a du bleu. Et il y a du vert. Il y a toujours Zoro devant nous. Il y a du rouge, c'est pas grave, qui chipote. Hein, voilà, du rouge. Il y a des cardettes de jeu, visiblement. Donc voilà, donc très curieux. Il y a un petit carnet de score. Très curieux de jouer à ça. Est-ce que le jeu vaut vraiment toute la hype qu'on a fait autour? Est-ce qu'il est vraiment aussi bien que ça? Il y a une règle en anglais dedans. Ça, c'est très bien. J'ai pas dû la télécharger sur BGG. Donc ça, c'est impeccable. J'aime beaucoup le design de la boîte. Elle est très jolie. J'aime beaucoup la palette de couleurs bleue. Voilà, je la trouve très belle. Et donc, ce jeu de Yusuke Matsumoto, on en reparlera quand on en aura joué. Alors, quand on l'aura joué, tout va bien. On va le mettre sur ça le fait côté. Longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, donc j'ai un peu le track, je ne suis pas à l'aise. Mais Zoro, il m'aide, regarde comme il est tout gentil. Zoro, il est et très zen. Et alors, les poils volent, c'est merveilleux. Oh, alors c'est l'année, c'est, voilà, c'est...
On a eu de la neige, c'était magnifique au Japon, on a eu pas mal de neige, c'était très beau, surtout dans des jardins. Alors, le deuxième jeu, moi, que je suis très content d'avoir trouvé, c'est Pala. Alors, Pala, il est là, voilà. C'est un jeu de Jeffrey D. Allers, donc pas du tout un japonais, mais c'est une édition japonaise, et je pense qu'on ne trouve qu'en japonais, je vais regarder. Et alors, pourquoi je suis content d'avoir trouvé ce jeu? Il y a plein de poils... Ah oui, la caisse ne ferme alors, pas, c'est un parce jeu... que déjà la règle imprimée. Oui, j'ai imprimé la règle sur BGG. C'est une grosse règle. Apparemment, c'est un jeu de plis assez compliqué. C'est pas le petit jeu de plis pour le tout venant, visiblement. Donc c'est 3 à 5 joueurs. Il est sorti en 2012. 30 minutes. C'est un jeu de plis. Alors, on est des étudiants, on étudie les pigments. C'est un jeu sur la peinture, les pigments et les palettes de couleurs. Voilà, on crée des canevas. Voilà, j'en sais pas plus. Voilà. On parle d'impressionnisme et de pointillisme dans le jeu. Petit jeton de couleurs. Oui, les cartes. Apparemment, petit autocollant à coller, c'est rond, donc sur les jetons de couleurs. On va bien vérifier où et comment. Et des cartes. Et des cartes qui ont l'air très très jolies. Il y a deux paquets. Alors, pourquoi je suis content d'avoir trouvé Pala? Parce que quelques jours avant de partir à Tokyo, j'ai écouté un petit podcast. Je ne sais plus comment s'appelle cette chaîne. C'est une chaîne qui anglophone qui ne parle que de jeux asiatiques. Je mettrai un lien, je mettrai une image. Et il y avait une interview d'un auteur de jeux qui s'appelle, j'oublie toujours son nom, Taiki Shinsawa, qui est un auteur de jeux japonais très connu dans le milieu des amateurs de jeux de plis. Et dans l'interview, on lui demandait quels étaient ses jeux de plis préférés, et clairement, apparemment, le jeu qui ressortait au-dessus de tous les autres, c'était Pala. Et donc Pala, il est là, on l'a, et je suis très content. Par contre, il a l'air assez... Et aussi de 3 à 5 personnes, donc il faudra attendre pour le jouer. Voilà, et vraiment des joueurs motivés, j'ai l'impression, parce qu'il n'a pas l'air facile. Pala, alors oui, qu'est-ce qu'il a fait d'autre aussi, l'auteur? C'est toujours intéressant de savoir ce qu'ils ont fait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? New York Slides, en fait, et Piece of Cake, c'est un jeu qu'on n'a pas joué, où on partage des parts de gâteau ou des parts de pizza. Citrus, New Amsterdam, Aléa, Yaktayest. Voilà, ça c'est des jeux que je n'ai pas joués. Alors ensuite, Brigitte, je t'en prie, choisis le prochain jeu. Alors, celui-ci, c'est un jeu... Drop Polter, je vais t'appeler ça. Donc c'est un own game. C'est un own game, donc moi j'aime bien les own game. Donc forcément, ça nous attirait parce qu'il y avait des rayons quand même remplis de home game. Et alors celui-ci, voilà, on n'a pas pu l'ouvrir au magasin, mais on l'a ouvert après, très bonne découverte. Ouais. Je suppose que c'est un jeu un peu peut-être de dextérité, je ne sais pas. En tout cas, il y a des clochettes, différents jetons où on dirait des clés, des anneaux, un fantôme qui est peut-être le premier joueur. Ouais. Alors dans la description, il y a marqué que le challenge, c'est de faire tomber exactement ce que le fantôme veut voir. Et donc il y a plein d'objets, il y a des cubes, il y a des petits anneaux, il y a des petits coquillages, des pièces en bois qui sont vraiment très mignonnes. Et il y a des cartes en fait qui indiquent visiblement, là par exemple, biscuit, cube, coquillage, et donc on suppose qu'on tirera des cartes et que... Voilà, des beaux petits coquillages. Belle petite pièce en bois. C'est vrai que le matériel est très très kawaii très... à mort. Ouais, kawaii. Kawaii, on dit. Je sais pas. Très mignon. Voilà. Donc ça se joue à deux. Mais bon, à mon avis, c'est 2 à 5, ce sera toujours plus intéressant à deux. Donc ça, si on ne s'endort pas aujourd'hui, peut-être. C'est un jeu de Paul Schultz, encore un japonais. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Paul Schultz? Rien que je connaisse vraiment. Cuisico. Voilà, Outlines, je ne connais pas non plus. Tree Links, je ne connais pas non plus. Donc, que des jeux que je ne connais pas. Voilà, en tout cas, une curiosité à découvrir. Alors, un jeu... Je continue. D'accord. Non, j'en ai fait deux, t'en fais deux. Ouais. Oh, alors, si tu sais m'attraper, le Tasso Banana. Oui, Tasso Banana. Alors, celui-là, il m'a flashé dans... Voilà. Dans l'œil. Dans l'œil directement, première boutique. On était raide, mort, crevé. En fait, on avait fait Tokyo toute la journée. Mais on s'est dit, allez, on y va, on va essayer cette première boutique qui était loin de notre hôtel. Physiquement dépassé au Japon. Ça, et donc, voilà, Tasso Banana, alors, comme son nom l'indique, avec des bananes. Oui, alors Tasso Banana, c'est un jeu, en fait, c'est absolument pas japonais, je pense. Non, pas du tout, mais c'est un jeu qui existe déjà depuis, je pense, longtemps, sous le nom de Tasso, mais ça doit être une variante avec des bananes. Ouais. C'est un jeu d'un auteur qui s'appelle... Il y a deux auteurs. Il y a Philippe Prou, qui est peut-être français, et un certain Junyi Choi. Oui.
Par contre, le Tasso d'origine, il date de 2004. Voilà. Et lui, c'était un jeu que avec des petites baguettes en bois. Et ça, c'était un jeu juste de Philippe Proulx. Et donc, celui-ci, je ne sais pas s'il est édité dans une autre langue, je serai peut-être ici, bientôt. C'est chez Jelly Games. Je pense que c'est une... Alors, l'originalité de la boîte, quand même, c'est que ça se déplie dans tous les sens. Oui, c'est original, mais c'est pas super pratique. Tout, parce que je l'ai fait, j'ai enlevé le matos, je l'ai remis dedans. Voilà, bon, on ouvre. Mais c'est super original comme ouverture. Et donc, c'est comme magnétique. On pouvait s'en douter, ce ne sont que des bananes. Des bananes. Voilà. Et visiblement des feuilles de bananes. Voilà, et donc c'est un jeu d'empilement de bananes. Et qu'on va empiler, visiblement, la boîte est aussi le plateau, parce que je vois des images que je mets toujours en illustration où on doit déposer les bananes ici dans la jungle. Donc voilà, et ici il y a les règles. C'est un jeu de dextérité, moi j'aime bien ça. Et c'est un jeu pour, deux à six joueurs, 10 donc, à 15 un minutes. Un deuxième qu'on va pouvoir peut-être essayer encore. Oui, et ça on s'est placé facilement, les petits jeux cons comme ça, ça passe. Maintenant donc. L'idée, c'est on referme le plateau du jeu. Bonne chance. Et avec la règle dedans, que j'ai imprimée, on la trouve. Alors, tous les jeux que j'ai ici, on a trouvé les règles sur Board Game Geek, sauf un, mais heureusement, il y avait la règle dedans. D'ailleurs, j'ai acheté un jeu qui n'est pas repris sur Board Game Geek, on va en parler. Après, je vais parler de celui-là tout de suite. Voilà. Eh ben voilà, du premier coup. Bravo, je te félicite, ma chérie. Je mets sur le côté les jeux qu'on peut jouer à deux. Ah oui, ok. Donc... Je pense que celui-ci, on peut le jouer aussi à deux. Mais comme c'est marqué 2 à 8, voilà. Alors ça, c'est Yonso. Voilà, un petit jeu de cartes. Alors, d'après ce que j'ai compris, il n'est pas sur Board Game Geek, il n'est pas repris sur Board Game Geek. Donc, je n'ai trouvé aucune info. Il y a une petite règle en japonais et une petite règle en anglais, mais qui est vraiment microscopique, toute petite. Les cartes sont très jolies. Alors, d'après ce que j'ai compris, j'ai regardé très rapidement la règle. Donc, les cartes sont vraiment... très belles. Ce sont des fleurs, visiblement multicolores, ou des symboles, je ne sais pas, mais elles sont très jolies. Et c'est un jeu de draft, donc c'est un jeu où on va s'échanger des cartes et on va essayer d'avoir des combinaisons, d'après ce que j'ai compris rapidement dans la règle. Mais la règle en anglais, je vais devoir clairement la lire avec une loupe. Il a grandi, oui. Totalement, mais à l'œil nu, illisible. Quoi. Voilà. Mais au moins, il y a le mérite d'avoir une règle en anglais. Ça, c'est la règle en japonais qui est un peu plus grande. Voilà. Ils ont fait l'effort de mettre une règle dedans. Donc celui-là, je suis très curieux, c'est 2 à 8 joueurs, un jeu de draft. Ça peut être, à mon avis, très très bien. Je suis vraiment impatient de l'essayer, celui-là. Yonso. Voilà. Je ne sais pas vous donner d'infos sur Board Game Geek. Peut-être le nom de l'auteur sur la boîte. Là, je suis trop fatigué. C'est en katakana. En plus, les hiragana, ça va, mais katakana, comme on les emploie moins. Je ne sais pas. Je mettrai en. Voilà. Bah oui, mais je sais traduire le katakana, les katakana sans problème. Et ce qu'il y a écrit derrière. Ah, mais voilà, ici, voilà. C'est un jeu de Sayaka et Takahiro. Donc Sayaka, virgule, et Takahiro, donc c'est deux auteurs, visiblement. Et à mon avis, l'illustrateur, parce qu'il est écrit en dessous, c'est Takahiro. Voilà. Et ça, c'est pas Takahiro qui a écrit ici, parce qu'il y a juste trois petits katakana, et donc c'est certainement pas ces trois syllabes qui font Takahiro. Il y en a encore, hein ? Oui. Heureusement, on avait une valise supplémentaire pour nos valises. Celui-là, on peut le jouer à deux. Je ne le ferme pas pour ne pas l'abîmer, pour ne pas trop chipoter. Tu peux le mettre dans la pile des jeux à deux. Alors, autre jeu que je suis très content d'avoir trouvé. Et qui se joue de 2 à 5 personnes. C'est écrit dessus. Oui, c'est vrai aussi. Gummy Trick. Alors, ça s'appelle Gummy Trick, donc forcément, c'est un jeu de trick. Bonbon. Oui, non, de gum, de bonbons, effectivement. D'ailleurs, ils sont représentés. Et de plis, donc c'est un jeu de plis. Et c'est un jeu de Hisashi Hayashi. Alors, on va regarder, ça me dit vraiment quelque chose, ce nom. Attends, je dois regarder. Le nom, c'est Gummy Trick. C'est un jeu, visiblement, je suis content parce que, en rentrant, j'ai vu que plein de gens sur Internet disaient beaucoup de bien de ce jeu. Il y a des boutiques qui l'importent, d'ailleurs, j'ai vu. Voilà, donc c'est de 2 à 5 joueurs, et je vais aller voir ce qu'il a fait d'autre, parce que c'est vraiment un nom qui me dit quelque chose, je me trompe peut-être. Oui, c'est l'auteur de Yokohama et l'auteur de Train, donc c'est vraiment énorme. Yokohama, qui est là derrière. Qui est là, Train, qui est au grenier, donc je devrais redescendre, de te faire découvrir, qui sont deux super jeux. Et alors, bah, les cartes, voilà, c'est des bonbons. Voilà, les cartes, ouais. Celle-là, elle est trop mignonne, je ne sais pas si vous voyez. Ah, celui-là, peut-être que tu auras envie d'y jouer, parce que Brigitte n'est pas trop fan de jeux de plis. Oui, en plus, ça se joue de 2 à 5. Oui, mais bon, il est mignon, alors ça plus intéressant, peut peut-être m'attirer. Voilà, j'ai imprimé la règle. Voilà. Donc, celui-là, à mon avis, un de ces jours, il sortira en français, parce qu'il a du potentiel, c'est un auteur très connu. Donc, très content d'être tombé sur celui-là. Alors, encore un nom avec Trick. J'en ai fait deux ? Oui, donc oui. À toi de faire deux suivants. Je t'en prie. Booba, alors, ouais, Booba. Je sais qu'il y a aussi des jeux qu'Angelo a achetés, sachant que moi, je craquerais. Je n'ai pas choisi un de ceux que tu m'as acheté, là, ce petit-là. Ça, celui-là ? Oui, celui-là. Un des deux.
Alors, celui-là, on l'a pris tout de suite parce que c'est un jeu du même auteur. En fait, j'ai cru que c'était un jeu de chez Sashi & Sashi. Vu l'illustration, ça ressemble très fort aux illustrations de en attendant l'ascenseur et en attendant les invités. Et non, c'est pas un jeu de Sashi & Sashi, c'est un jeu d'Isashi Hayashi. Mais voilà, c'est un petit jeu de 2 à 5 aussi. De 2 à 5, mais à partir de 4 ans, donc c'est un jeu pour les petits. Mais voilà, mais c'est pas grave. On est encore petit dans notre tête. Et il y a une petite histoire. J'ai téléchargé la traduction sur BGG en anglais. Il y a une petite histoire pour les enfants. C'est très mignon. Il y a un petit livre pour enfants dans les livrets de règles. La règle est très courte. Il y a une règle avancée quand même. Voilà. Et donc, tout est. Et on en fait, deviner, le jeu s'appelle Where's my dish? Où est mon plat? Et donc, je suppose que chaque animal doit trouver son plat. Il y a une petite souris qu'on peut montrer. Il y a un petit chat. Il a sa petite gamelle. Ça, c'est un chien, je pense. Ah, c'est un petit chien, c'est un inou. Ça, c'est pas un chat. Ça, c'est un chat, voilà. Je ne sais pas faire la différence entre les chats et les chiens. Mais ça va venir, j'apprends. Tu peux remettre en place. Voilà. Non, dans le bon ordre. Ok. Très mignon. Je pense pas que ça va voler très haut, vu que c'est à partir de 4 ans, mais je voilà, quand même, c'est un programme. En plus, c'est un super bel objet, enfin, graphiquement, dans c'est la pile de deux. Voilà, et puis comme toujours, les petits-enfants nous pendent au nez, un de ces quatre, on en aura, donc c'est pas mal d'avoir des jeux pour les petits. Voilà. Encore un que je peux choisir ? Yes. Tu m'attrapes celui-là. Aussi un Jelly Games. Alors, je pense que les Jelly Games, si je dis pas de conneries, c'est une chaîne de café-jeux qui vend aussi des jeux au Japon, qu'on devra faire la prochaine fois. Donc, on a acheté au Japon, et puis on a découvert qu'on avait déjà une version qu'on avait achetée en Norvège. Kazaneko. Bon. Donc, visiblement aussi, donc un jeu de dextérité. Purement de dextérité. Voilà, et c'est tout à fait le même que celui qu'on avait acheté, je le montre, Kittin. Ouais. Celui-là, on l'avait ramené de Norvège. Oui, en fait, il y a une édition française ou anglophone du jeu qui s'appelle Kittin, qui est le même jeu, c'est le même matériel dans la boîte, c'est les mêmes cartes, il n'y a pas de différence. C'est un jeu. Du coup, on a la version japonaise. De Osami Okano. Alors, c'est un jeu qui date de. Je sais pas. C'est pas indiqué. Et, ou alors je ne vois pas, bref, c'est pas très grave. Et Osami Okano, c'est ce qu'il a fait ce monsieur. Il a fait Silk Road Adventure, c'est un jeu que j'ai joué il y a longtemps et qui était vraiment sympa. Et donc l'idée, ben voilà, c'est des petits défis, il faut se faire, je ne sais pas si vous voyez, superposer des chats de couleurs différentes. Je raconte des bêtises, Silk Road Adventure, c'est pas un si vieux jeu que ça, c'est un jeu de 2021 et c'est pas celui-là que j'ai joué, c'est un autre jeu qui s'appelait Silk Road. Et donc plein de petits chats de couleurs différentes, voilà. Donc voilà, ça nous incitera à le rejouer parce que je pense pas qu'on l'ait joué. Je sais que je l'avais joué pour m'amuser comme ça. C'est basique, on tire une carte et je pense que c'est le premier qui essaye de faire ce qui est marqué sur la carte. Je me trompe peut-être, mais ça doit être un truc du genre. Mais en tout cas, il y a plein de chats et tout ça. Voilà. Et puis voilà, perso, on a encore plein de places dans la maison pour plein de jeux, plein de brawls, donc allons-y quoi. C'est pas vrai, on commence un petit peu à être serré. Donc, c'est à moi ? Oui. Ok. Ici. Encore un jeu avec le mot trick dedans. Dog, tag, trick. Super mignon. Bon, un jeu avec des chiens. Ça va peut-être me convaincre. Oui, mais t'es très chat, toi. Oui, mais j'aime bien les petits. Quand les dessins sont très mignons, les ça, dessins ça, sont ça très incite, mignons. Donc, Dog Tag Trick. On va un petit peu aller voir. Dog Tag. Alors là, c'est à partir de 3 personnes. Et bah oui, comme souvent dans les jeux de plis. C'est un jeu de 2020. C'est un jeu d'un monsieur qui s'appelle. Alors, c'est compliqué. Junjin Hotsubo. Donc, ça ne reste pas si compliqué que ça. Et c'est aussi l'illustrateur. C'est pour 3 à 5 joueurs. Mais alors, c'est vraiment très, super mignon. Très mignon. Et en plus, c'est super parce qu'on va pouvoir réviser notre japonais parce qu'il y a une petite description, visiblement, des chiens sur chaque carte. Je pense que c'est le nom de la race des chiens. C'est vraiment très, très mignon. C'est ultra mignon. C'est ultra mignon. Voilà. Donc ça... C'est sûr, on va essayer de comprendre ça. C'est chouette, c'est ça. Je suis content parce que j'ai l'impression que ces petits jeux motivent un peu plus Brigitte à jouer à des jeux plis. Et donc, voilà, j'ai de l'espoir. Donc envoyez en commentaire des encouragements. Envoyez en jeu de plis. Encouragez Brigitte pour qu'elle essaye les jeux de plis. Dites-lui que c'est bien, que ça vaut la peine, etc. etc. Alors, bon, encore un. Encore un pour moi. Eh bien, on va prendre un jeu de monsieur Taiki Shinsawa, Starship. Alors, un boîtage très intriguant. Avec un petit aimant, donc là, ça fait comme les bananes. Prend beaucoup de place. Et il s'appelait, je pense que c'est une réédition, il s'appelait autrement le jeu. Il n'a qu'une autre édition, je vais regarder. Starship.
Voilà. Oula, attends. Non, c'est Twinkle Starship. Voilà. Twinkle. Donc c'est un jeu de piste, ça c'est On sûr. devine qu'il faudra mettre des petits éléments sur les cartes, je Voilà, c'est un jeu de 2020 qui s'appelait au début Segmentrix. Oui, c'est Voilà. Mila. Et donc c'est un jeu avec des cartes qui ont des couleurs et des numéros. C'est très étonnant. Et je sais pas. Très surprenant pour un jeu de pli. Voilà. Et des petites pièces en bois. À mon avis, à poser sur les cartes. Oui, ou entre les cartes. À mon avis, ce sont des petites pièces en bois qui font des liens sur les cartes. Je sais pas si on peut les montrer, je vais en montrer une. Mais je pense que ce sont des petites cartes qu'on va poser. Enfin, j'en sais rien en fait. Donc, qu'est-ce qui Segmentrix, le socolette, un tracking game. Je vois pas. C'est un jeu de pli. Et il y a 3 à 4 des petits morceaux de joueurs bois. à partir de 9 ans. Voilà. Donc celui-là, encore un jeu intriguant. Et donc c'est un monsieur qui fait beaucoup de jeux de pli, pas que ça. On va regarder ce qu'il a fait d'autre, parce qu'il a fait des jeux connus quand même, Taikishin Sawa. Mais qui sont toujours avec un twist original. C'est lui qui a fait Maskmen, donc les lutteurs, c'est chez Home Games, Ah un petit jeu oui. génial de défausse qui est vraiment Oui, qui était super. pas mal. American Bookshop, celui-là je le cherche. Nine Live, qui est un jeu de pli qui est super aussi que j'ai. Ghost of Christmas, qui est aussi un super jeu de pli complètement fou. Et Loss, un jeu de pli où on tient ses cartes à l'envers. Donc très curieux d'essayer celui-là, de ce monsieur qui fait souvent des bons jeux, parfois des jeux bizarres, mais parfois des jeux très bien. Et parfois bizarres et très bien. Et donc maintenant, c'est ton Voilà. tour de Bah, faire le je vais petit jeu. continuer dans la lignée. En fait, apparemment, ça, c'est le même auteur. C'est le même auteur, c'est Taiki Shinzawa. Et figure-toi que celui-là, Planète Étucée. Étucée. Oui. Est-ce que tu essaies? Je ne sais pas. Donc Planète Étucée. Oui, vas-y. Oui, bah je le découvre. Hein. Là, c'est vraiment. Bon, il faut dire que parfois, je lâchais Angelo et j'allais l'attendre dehors. Donc parfois, je n'ai pas vu tout Alors, ce qu'il il faut achetait. dire que là, je t'ai fait une infidélité ludique, puisque cette semaine, je l'ai joué avec Dom. Ah voilà. Qui est passé et on a joué à deux. À celui-là, c'est pour Et 2 à le 3. verdict alors? Alors, c'est un jeu pour 2 à 3 joueurs. C'est un jeu de défausse. Donc, c'est un jeu où il faut être le premier à se défausser de sa main. C'est un jeu qui se joue en Dessins plusieurs assez manches. originaux. C'est un jeu. Oui, c'est des couleurs, des Des, numéros. Je vais oui. montrer ça par la suite. Alors, les Non, cartes ont des espèces de des blocs. extraterrestres. Hein, Voilà. voilà, c'est des petits Des petits extraterrestres blocs. bizarres. Tu peux encore en montrer si tu veux. Alors, on a une carte avec les C'est classements trop de bloqué. forces de couleurs. Donc, ici, on voit, il y a une carte d'un côté, deux joueurs, trois joueurs. Donc, ici, si on met cette carte dans ce sens-là, la couleur verte sera plus forte que la couleur jaune, qui sera plus forte que la couleur orange, etc. Et donc, la mécanique, elle ressemble assez fortement à pas mal d'autres jeux. Un jeu, par exemple, comme Odin, parce que son tour de jeu, le premier joueur peut ouvrir avec deux cartes, soit deux cartes de même couleur, soit deux cartes avec le même chiffre. Et donc, l'autre, s'il y a deux cartes de même couleur, il va devoir jouer deux cartes d'une couleur d'un rang supérieur. Et si c'est une carte avec deux chiffres identiques, il va devoir jouer deux cartes avec deux chiffres identiques plus fort. Et si un joueur ouvre avec une seule carte, on ne sait pas encore sur quoi on se bat. C'est la deuxième carte qui va déterminer si on se bat en couleur et en. Et en ou en chiffres. Alors moi j'ai bien aimé. Dom pas aimé. D'ailleurs on n'a pas fini la partie. Il faut jouer plusieurs manches jusqu'à ce qu'un joueur atteigne 10 points. On a arrêté avant parce que Dom était moyennement chaud de continuer. Mais moi j'ai tout à fait trouvé ça très sympa. J'aime bien ce genre de petit jeu. Moi je jouerai avec grand plaisir. Donc Mais comme tu m'as fait des infidélités, moi je vais choisir un troisième jeu du coup. Mais là j'ai fait deux jeux. Ah Mais oui, non, c'était allez, ça moi, va. c'était D'accord, d'accord, d'accord. Je t'en prie. Alors, celui-là m'intrigue très fort. Je sais que tu me l'as montré. J'ai dit, oh, prends-le, Lequel? prends-le. Ça? Oui. Mais on y a joué, tu le connais? Ah bon? Oui, tout à fait. On n'y a pas joué. Alors, on l'a acheté, on l'a déjà joué avant d'aller au Japon, mais là, on l'a acheté au Japon. Et donc, c'est un jeu. Et là, je sais lire ce qu'il y a marqué dessus. C'est Habesuto. Et en fait, c'est Harvest. Donc, c'est un jeu de récolte. Tu te souviens, on l'a joué avec Mathieu. D'accord. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un Mais jeu c'est la version donc japonaise. Mais il n'y a Allez. qu'une version japonaise. Et pourquoi on l'a joué Ben parce que quelqu'un l'a et on l'a joué. Ah, d'accord. D'accord. On a des amis qui ont des jeux japonais. Et voilà, on a eu la chance d'y jouer. Et donc, je l'ai vu et on l'a acheté. Ah oui, c'est très chouette. C'est Hein. un jeu Je me souviens. super simple. C'est Mais un qui peut jeu être très méchant. Qui peut être, qui est super vicieux. Et donc, ça, c'est un jeu qui mérite vraiment d'être édité et par éditeur. Par exemple, comme Cocktail Games, je trouve que ça irait très bien dans leur gamme, parce que c'est un petit jeu où chacun a son petit plateau, donc chaque joueur a un plateau, ces plateaux vont être mis l'un à côté de l'autre, à son tour de jeu, on va poser des légumes, soit qui sur son valent des plateau, points, qui ouais, qui vont valent des points positifs ou négatifs, soit sur son plateau, si on n'a pas de légumes sur son plateau, soit sur d'autres plateaux, si on a déjà des légumes sur son plateau, et quand on fait une ligne en diagonale ou orthogonalement de légumes, bien, chaque joueur récolte les légumes qu'il y a sur son plateau à lui, et ça peut être des légumes positifs et des légumes Mais là, négatifs. Donc c'est comme ça Et qu'on peut être c'est méchant, parce qu'on peut placer ignoble, des voilà, légumes mais c'est négatifs. jouissif à mort.
Voilà, ça je le recommande très fort. Harvest, c'est un super petit jeu. A priori, ça se joue de 1 à 6 personnes, ce qui est quand même un peu à une personne, je vois pas. On va quand même regarder le nom de l'auteur et tout ça, hein, parce que ça peut être intéressant. On a trouvé. C'est un jeu qui date de 1992 et qui n'a toujours pas été édité en français ou dans une autre langue. Et c'est incroyable parce que c'est un bijou, ce jeu. Vraiment. C'est un bijou de jeu tout public. Et donc, c'est un jeu de... Hop, Yukihito Morikawa. Voilà. Et l'artiste, c'est Osamu Inoue. Et les graphismes sont super mignons. Et donc, ça, c'est un jeu, si vous tombez dessus, foncez. Je le conseille hyper fortement, quoi. Harvest. Donc, les boutiques qui fêtent des imports, ça c'est topi-topi. Alors, il y a encore pas mal de choix là-dedans. Hein. Donc, celui-là. Alors, celui-là, si je dis pas de bêtises, si je lis correctement, c'est Nana Toritori ou Nana Doridori. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien avec le jeu Nana qui est en fait trio. Je vais regarder tout de suite. Donc, c'est un jeu de Toshiki Arao. Et donc, hop, je vais regarder. Nana. De 2 à 6 joueurs. Nana Toridori, parce qu'il doit y avoir des petits ten-ten sur le deuxième to. Donc, c'est un jeu de 2 à 6 joueurs. Alors, qu'est-ce que c'est comme type de jeu ? Très joli. Avec des petits meeple pingouins. Alors la thématique est complètement barrée parce qu'on est en guide dans un château où il y a une fête de oiseaux, où il y a des oiseaux qui font une partie. On dirait des petits pingouins. Oui, on dirait des petits pingouins. Mais ici, ils parlent d'oiseaux. De toutes les couleurs, oui. The goal is to play. Oh, le cœur vient de faire. Donc là, c'est un jeu de défausse. Le but du jeu est de se défausser le plus rapidement de ses mains. Tu peux montrer les cartes, je t'en prie. Que je m'apprêtais à faire. Voilà, 2 à 6, donc on pourrait tester à 2. Ah ouais, c'est tous des oiseaux, ouais. Mais là, plus proche de la caméra. Oui, plus proche, ouais, sans me cacher. Rapproche-toi, voilà, comme ça on verra. Voilà. Ça va, Doro. Lolo. Voilà, j'avais dit, hein, c'était de 2 à... 2 à 6. Voilà. Un sachet zip, ça c'est bien. Je viens de montrer les petits pingouins. Super. Très, très kawaii. Oui. Bah, ok. C'est un peu leur force japonais, hein. C'est faire des trucs irrésistiblement refermés. Bon Zoro, tu prends de la place là. Comme d'habitude. Boum. Alors, on continue dans le kawaii, hein, avec... Ouais, c'est celui-là, il a l'air aussi trop Dokito mignon. Ice Creamu. Dokito Aisu. Donc, c'est un jeu, il n'y a pas l'auteur écrit en français dessus. Pas, mon chéri. C'est édité chez Arclight Games, on va regarder tout de suite. Donc, tu peux montrer la boîte parce qu'elle est super. Et contrairement à ce qu'Angelo a raconté, finalement, on a pas mal de petits jeux où on peut essayer à deux. C'est vrai. Oui, mais enfin, il faut jouer les jeux de pique, on doit jouer à trois aussi. Attention, hein, attention. Waouh, oui, d'accord. Donc c'est un jeu de 2020. Des petites choses à dépuncher. 15 à 30 minutes. Alors, les auteurs, c'est Lana Inagaki et Lana et Papa. C'est marrant. Alors là, voilà. Et donc, par exemple, on a les petits cornets, les petites boules de glace. Je n'ai pas encore ouvert les cartes. Tout ça m'a l'air bien mignon. Oui, c'est super ultra mignon. Alors, c'est marrant, il m'a mis en français maintenant. Il m'a fait une traduction automatique, mais j'en veux pas. Je veux pas une traduction en japonais non plus. Ça a l'air très joli. Et celui-là, j'ai envie très fort de le jouer aussi. Donc les joueurs sont des très gros mangeurs, on doit montrer nos compétences et on décide de rendre visite à un célèbre glacier. Voilà. Ça, c'est le thème. J'essaye de trouver quelle est la mécanique du jeu. Voilà, je ne le trouve pas comme ça. Parce qu'il y a plein d'infos un peu dans tous les sens. Et Google m'a fait une traduction en français tout à fait déplorable. Donc voilà, en tout cas, c'est un jeu tout à fait mignon. On ne tardera pas à découvrir. Manger, à mon avis, le plus de glace possible, un truc comme ça. Peut-être un jour, il faut récolter des ingrédients, etc. Zoro est très content parce qu'il peut regarder tous ces nouveaux petits jeux. Ouais. Hop, j'avais mis une poubelle ici. Donc déjà, rien que le dos des cartes est à mourir. La face, c'est encore pire. Alors là, ça, franchement, si vous résistez à ça, vous êtes surhumain. C'est trop mignon. Donc, Dokito Aisu. À tester. Et tous les petits pions à dépuncher sont aussi ultra. Oui. Les cornets de glace. Waouh. Voilà, ça je sais que ça te fait envie, j'aurais pas trop de difficultés à te faire essayer. Hein. Est-ce que j'ai fait deux jeux?
Oui, je pense. Mais tu peux en faire un troisième, je t'autorise. Par contre, toutes ces règles... Bah oui, il faudra chipoter. Bah oui, c'est pas toujours évident, évidemment. Donc, alors, encore un petit jeu. Allez. Vous êtes débordés. Celui-là, je l'ai acheté un peu comme ça, au hasard. C'est Bitake. Bitake, et c'est écrit clairement Trick Taking Card Game. Donc je me suis dit, allons-y. Et c'est un jeu par Nagyan. Donc l'auteur, c'est Nagyan. Je vais regarder s'il a fait autre chose, ce monsieur. 3 personnes. Bah, 3 à 5. Bah oui, c'est un jeu de pli, donc forcément. Pas pour tout de suite. Lundi, on va chez Mathieu. Mathieu, lundi, on joue à des jeux de pli. Enfin, d'abord Nokosudai, ça c'est la priorité. Alors. Des cartes toutes simples. Nagyan. Avec des chiffres. Voilà, la description du jeu, c'est que c'est un jeu de plis où on fait une annonce et on essaye de faire autant de plis que possible. Alors comme ça, ça n'a pas l'air très intéressant, mais peut-être qu'il y a un twist. Donc, je disais donc que la description du jeu n'a pas l'air comme ça très fantastique, puisque ça a l'air d'être un jeu de plis très classique, mais peut-être qu'il y a un twist caché quelque part. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore lu la règle. Donc Bitake de Nagyan. C'est un jeu, enfin c'est toujours des boîtes avec un très joli design. Oui. Voilà. Hop, je me fais agresser en direct. Voilà, par notre monstre blanc. Alors, je sais que celui-là, je vais le choisir, mais tu vas avoir des choses à dire dessus. C'est une réédition. Poison. C'est l'édition japonaise de Poison, le célèbre jeu de Knizia, où il y a 3 chaudrons et on doit empiler. Dès que ça dépasse 13, on se prend les cartes. Donc, désormais, on est 3 à vous présenter l'émission. On a Zoro qui ne part plus. Voilà, évidemment, voilà, Poison. Donc, on a des chaudrons. Oui, il y a 3 chaudrons et il y a 3 couleurs de cartes, donc c'est vraiment... Voilà, moi, j'ai pas résisté quand j'ai vu la boîte super mignonne japonaise. Par contre, les cartes, c'est un peu décevant, elles sont pas aussi... c'est juste des bouteilles de potions. Mais voilà, on a l'édition japonaise, et c'est un jeu que j'adore, qu'on peut sortir avec tout le monde. Voilà, donc c'est de la collectionnite pure. Mais ça, c'est toujours Poison, il est édité dans toutes les langues. Donc, n'hésitez pas, si vous l'avez pas, c'est vraiment le petit jeu passe-partout, vous pouvez jouer avec n'importe qui... Et simple, vicieux aussi. C'est un des meilleurs petits jeux de cartes de Rainer Knizia. Voilà. Je me demande comment on prononce Knizia en japonais. Kinudia. Un autre jeu, parce que je sais qu'on a cherché aussi une autre version et on ne l'a pas trouvé, c'est Nana. Oui, Nana. Alors, il existe une version Nana Noël. Alors, Nana, mais alors, on l'a pas trouvé. Avant de continuer, Nana, c'est l'édition originale de Trio. Voilà, donc c'est un jeu japonais à la base qui s'appelle Nana, illustré avec des petites illustrations toutes mignonnes d'animaux. Et moi, je l'avais déjà en fait, parce que je me l'avais. Et donc, on a cherché le Nana Noël, mais le Nana Noël est épuisé. Je voulais surtout en acheter quelques-uns, parce que c'est un petit jeu pas cher pour faire des cadeaux à des amis. Et j'étais très étonné, parce qu'il était sold out partout, donc j'ai pas trouvé un seul Nana nulle part. L'édition japonaise. Alors, c'est exactement le même jeu que l'édition française, donc pas de soucis. Vous en faites pas, il n'y a rien qui change, c'est la même chose. Ouais, c'est peut-être un tout petit peu plus mignon. Donc, Trio, c'est le jeu qui a gagné l'As d'Or. Donc, félicitations à Mathieu Despnous pour cette victoire, enfin, vraiment méritée. C'est un super jeu. Et donc, on a la version japonaise. C'est de la collectionnite pure aussi. Mais j'ai eu Nana avant Trio d'ailleurs. Mais j'ai quand même acheté Trio. J'avais Nana, mais j'ai acheté Trio. Vous faire plaisir de temps en temps. Voilà. Et je conseille Trio très fortement. Je pense que de toute façon, avec le la pile diminue. Qu'est-ce qu'on a fait là ? T'as fait 2 jeux ? Oui, j'ai fait 2 jeux, vas-y. Alors, j'y vais. Encore un Hisashi Hayashi, un jeu qui s'appelle Exhaust, avec une boîte avec un graphisme plus austère que ce qu'on a vu pour l'instant. Pas vraiment kawaii. D'ailleurs, on voit au dos que le jeu, c'est des cartes avec des chiffres. Et une couleur tout à fait très sobre. Voilà. C'est un jeu de plis ? Je ne sais pas. J'ai la règle, donc là, je peux peut-être tout de suite... De 1 à 5 personnes. 1 à 5. C'est un jeu... L'univers est magique, il y a 4 éléments. Le vent, la terre, le feu, hein, tout ce qu'on connaît. On va lancer des sauts, très bizarre. En fait, à mon avis, c'est un jeu de défaut, parce qu'on va, essayer de jouer des sorts de plus en plus forts, comme c'est des cartes numérotées. Je vais quand même regarder. Celui-là m'attire un peu moins. C'est souvent les jeux dont on attend le moins, parfois, qui sont des bonnes surprises. Et donc, Hisashi, c'est un jeu qui date de 2022, donc il est assez récent. Et c'est un jeu d'élimination. En fait, c'est un jeu où il va rester qu'un seul joueur. Donc, c'est un jeu à main très méchant. J'ai très hâte. Ça se joue de 1 à 5. Donc, c'est un peu. Il faut voir l'adaptation pour une personne. Voilà. Donc, c'est un jeu, visiblement, à mon avis, on essaye de faire des combos de cartes, etc., de plus en plus fort. Et on s'élimine les uns les autres jusqu'à ce qu'il reste qu'un seul joueur. Donc, un battle royal avec des cartes. Et japonais, en plus. Comme le film, d'ailleurs.
Voilà. Donc, toi, t'as pas envie, mais moi, j'ai envie. Voilà, mais prends-en encore un. Oui. Alors, oui, alors là, attention. Acheté au Japon. J'ai des poils, mais partout. Oui, oh, moi voilà. Aussi, je me faisais la... Mais j'ai un outil magique. Hop. Pom, 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 pom. Oui, ben, voilà. La pom, pom aussi. Pom, 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 pom. Voilà. Merci la célèbre marque de magasin suédoise. Alors, on achète des palettes de ces outils. Alors, le jeu s'appelle Auf Falscher Fahrt. Et c'est l'édition japonaise. Il y a le nom en japonais écrit tout petit. Alors, je suis très étonné parce que souvent, les éditions, donc les localisations des jeux étrangers au Japon, ils gardent le titre et ils mettent le titre en japonais, en petit en dessous. Donc ça, c'est un jeu de cartes que je... C'est un jeu de plis. C'est un pur jeu de plis pour... Pour trois quelque chose. Je vais taper pour... Là, c'est marqué de 3 à 4 personnes. Ouais, mais je vais quand même taper, avoir des infos, voir si ce monsieur... Donc, c'est un jeu de Jürgen Kroll. Et où j'ai entendu parler de ce jeu? Eh bien, sur la guilde des... sur Board Game Geek, il y a une trick-taking guild. Donc, il y a des guildes sur Board Game Geek dont on peut faire partie. Il y a des discussions sur les jeux de plis. Et donc, j'ai entendu parler de ce jeu de plis. Quand je l'ai vu, bah, je l'ai acheté tout de suite. Il y a aussi un Hall of Fame très intéressant. Il donne un prix chaque année. Donc, c'est une petite guilde sur Board Game Geek. Si vous aimez les jeux de plis, je vous conseille de vous y inscrire parce qu'il y a des discussions sur les jeux de plis, c'est toujours intéressant. Donc, je vais quand même regarder ça. Auf Falscher. Hop, 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 j'ai un accent allemand absolument parfait. Voilà, c'est un jeu de 2001. C'est un jeu qui dure 30 minutes, de 3 à 4. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Je ne sais pas s'il existe une édition. J'ai pas l'impression qu'il y a d'autres éditions, je vais vous dire ça tout de suite. Bah, il a fait que ce jeu. Voilà, c'est le seul jeu qui a publié... Il y a des petites choses à dépuncher, voilà. Des tickets de bus. Donc il n'y a qu'une édition visiblement allemande et japonaise. Donc il n'est trouvable qu'en édition allemande ou japonaise, mais il y a la règle en anglais. Voilà, donc très curieux d'essayer. Mmh. Ça, c'est un design un peu vieillot comme ça, kitschune, mais moi j'aime bien, ça a l'air intéressant. Qu'est-ce qu'ils en disent? C'est un trick-taking game. En fait, on va, j'ai l'impression qu'on va faire des paris secrets avec des cartes cachées pour faire un nombre de plis. On va essayer d'égaliser le nombre de plis qu'on a misé caché. Je l'ai d'après déjà que, dans, d'après je l'ai la phrase en diagonale que j'ai lue très rapidement. C'est encore à moi, c'est à toi? Non, c'est à moi, mais okay. Voilà. Mais peut-être. Oui, c'est vrai. Le Grim Reaper. Voilà. Après, je ferai une petite pause sur la caméra parce que sinon j'aurai un fichier trop long. Donc. Ah oui, ça c'est un... Oui, alors, parce que dans le choix qui reste, c'est... Voilà. Grim. Alors ça, c'est sûrement quelque chose de 2 à 4 personnes qui ne va pas beaucoup me plaire, parce qu'il y a marqué Trick. C'est Grim Reaper Preschool. C'est une réédition d'un jeu... Il date de 2022, mais je pense que c'est une réédition d'un jeu qui date de 2007. Voilà, l'auteur c'est Kenichi Kabuki et l'artiste qui design ça c'est Saibepu. Je sais que c'est quelqu'un qui est très connu, qui fait des illustrations très mignonnes, et donc c'est pour 2 à 4. On va pouvoir y jouer à 2, ma chérie. Et donc c'est un peu dark, hein, parce que c'est mignon et dark, puisque visiblement au dos on a des petites têtes de mort. Et ici on voit un personnage avis, avec la faux, des ailes et une faux. Et donc, un gros péon, premier joueur, voilà. Vraisemblablement. Et donc c'est un jeu de plis, voilà. Un must follow game, voilà, un jeu de plis où on est obligé de suivre la couleur. Je ne sais pas quelle est l'astuce du jeu et tout ça et tout ça. On va découvrir. Voilà, mais en tout cas, une curiosité à découvrir. Je vais faire une beaucoup de règles à étudier. Oui, à lire. J'aime pas étudier. On continue. Voilà, donc on arrive un peu au bout. Bon, on a quand même ramené une petite vingtaine de jeux, hein, donc mine de rien, même s'ils sont petits. C'était pas mal dans les valises. Dans ce qui reste, il reste un jeu original et le reste, c'est des rééditions pour lesquelles je me suis fait plaisir. Alors voilà, je trouve qu'ici, il est marrant. Moi, il m'attire. Je suppose que c'est pas du tout pour moi, mais ça s'appelle Was Sticht. Je peux montrer la boîte. Donc ça, c'est la réédition d'un jeu de plis très célèbre. Il est dans le Hall of Fame, d'ailleurs, sur Board Game Geek de la fameuse guilde des amateurs de jeux de plis. C'est un jeu de plis allemand, tordu. J'y ai joué il y a très longtemps, et je le cherchais depuis longtemps, et donc là, je l'ai enfin trouvé en japonais. Des petits moustiques. Je ne sais plus comment ça marche, mais c'est un super jeu. Il y a marqué Mosquito Spiel. Voilà. Dans mes souvenirs, c'est pas le plus simple. Il est assez tordu, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment. Voilà. Donc ça, je suis très heureux d'avoir trouvé. C'est un jeu, on peut quand même dire. On va regarder de quand il date. C'est un jeu de Karl Heinz Schmil. Je pense que 3 à 4 ça, c'est joueurs. Encore un mot qui me dit vraiment beaucoup. Donc quoi Schmil. Oui, Schmil.
Donc à mon avis, Wastisch. Voilà, c'est un jeu de 1993, un jeu allemand de 1993. Oui, je suis vieux, donc j'ai joué le jeu. Voilà, 60 minutes, 3 à 4 joueurs. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre, ce monsieur ? Plein de trucs. Il a participé donc à la seconde édition de Saint-Pétersbourg, à la carte, Attila. Et Die Maker, c'est l'auteur de Die Maker, qui est un gros jeu allemand, si je ne me trompe pas, qui simule la politique, le système politique allemand, qui était un jeu connu dans le temps, qu'on a un peu oublié. Ouais, donc c'est quand même, bon, il choisit connu. Encore un jeu donc, bah, un allemand. Ah non, c'est pas un... Ah, Klaus Oui, Palais. Oui, tout à fait. Il s'appelle Alors ça, c'est un de mes jeux. C'est un de mes jeux de plis préférés. Je pense quand même que c'est plutôt allemand. Je l'ai, mais on là, le trouve c'est une édition difficilement. Ce jeu n'a, à ma connaissance, jamais été en français. C'est débile. Les gars, les éditeurs, éditez ce jeu. C'est un jeu de plis très simple et hyper, hyper méchant, qui se joue de 3 à 8. Ça, c'est vraiment jouissif à mort, simple, ça s'explique comme ça. On s'éclate, on grince, non, de 3 à 6. Voilà. C'est des cartes, des couleurs, et c'est un système Tichel, qui n'est pas du tout allemand. Et très malin. Non, mais ça, vraiment, je le conseille. Super. Claude, on va juste regarder aussi ce qu'il a fait d'autre, cet auteur. Donc là, je me suis fait plaisir. Je fais un petit dernier, puis toi, tu feras les trois autres. Je confonds toujours. C'est Stichel ou Stichel. Stichel. Je suis pas capable. Il y a une édition américaine du jeu aussi. Ça, je sais. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Aussi. Voilà, en anglais, enfin, mais je ne sais pas si c'est une édition américaine, mais en anglais, il s'appelle Stichem, et c'est le même boîtage. Moi, j'ai aussi l'ancienne, j'ai des éditions originales allemandes. Je suis très fier. C'est un des jeux les plus précieux que je garde. Précieusement, c'est un coffre-fort. Donc voilà. Alors, Klaus, je ne sais pas comment on prononce ça, Palais, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait Hattrick, qui est un autre jeu de pli. Il a fait des jeux que je ne connais pas. Voilà. Il n'a pas fait des tonnes de trucs. Alors là, je choisis encore un petit jeu de quelqu'un qu'on connaît bien, Knizia. Oui. Donc ça s'appelle Zero. C'est l'édition japonaise du jeu de cartes Zero. C'est un super jeu aussi, un peu comme Poison. Voilà, c'est super sobre. Un des meilleurs petits jeux de cartes de Knizia. Le design de la boîte, je trouve, est vraiment voilà, super. Elle est très belle. Voilà. Et ça, par contre, quasi pas d'infos dessus. 3 à 5 joueurs. 3 à 5 voilà. joueurs, c'est 20 minutes, on en déduit. Le petit jeu de cartes super accessible, à conseiller très fortement, qui est édité en français. Hein, vous trouverez ça très facilement. Voilà. Mais Angelo, je te... Attends, par commencer, parce que je m'installe. Voilà, Angelo, je te propose en fait de terminer avec les trois jeux qui restent devant. Alors, il y a qu'est-ce qu'il y a ? Donc il y a celui-là, ça, c'est encore un jeu original, donc c'est Wizard Cup. Alors Wizard Cup, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Flavien M. Alors en ce moment, c'est vraiment les petits jeux de cartes et les jeux de plis surtout, c'est vraiment la grosse tendance, la mode, etc. Si tout ça vous intéresse, il y a vraiment une chaîne francophone qui est vraiment qui est une de mes chaînes francophones préférées. J'en regarde très peu des chaînes francophones et c'est une dont je loupe aucune émission. Ils ne parlent pas que de jeux de cartes et de jeux de plis, ils parlent des jeux de société en général. Donc c'est la chaîne de Flavien M. Mais met beaucoup en avant les petits jeux de cartes et les petits jeux de plis parce qu'il aime ça et il partage ça très bien. Je mettrai une image, je mettrai bien en incrustation, et donc voilà, donc j'ai découvert ce jeu sur sa chaîne Wizard Cup. C'est une des rares chaînes francophones aussi qui parvient à me faire découvrir des choses. Étonnamment, c'est un jeu pour deux personnes. Oui, et c'est un jeu de Senji Kanai. Si je dis pas de bêtises, c'est l'auteur de Love Letter, donc Wizard Cup. Et tu dis que c'est un jeu de plis? Non, c'est pas un jeu de plis, ça. C'est pas les dessins sont... Enfin, voilà. Bon, voilà, alors évidemment, les cartes sont... Oui, je sais qu'il existe une édition avec... c'est un jeu où il y a quelques cartes avec des pouvoirs. Tout le texte est en japonais, mais ça nous fera de l'entraînement. J'ai une traduction, de toute façon, en anglais, et ça nous fera un petit entraînement aussi, tout à fait. Donc voilà. Pour ça, j'ai très hâte de l'essayer, parce que je sais qu'il en a dit du bien. Et voilà. Wizard Cup, je l'ai vu, j'ai foncé dessus. Dans la pile, à jouer à deux. Je disais donc que c'est un jeu de Senji Kanai, publié en 2023, et c'est effectivement l'auteur de Love Letter, voilà, qui est très connu. Alors, ce qui reste ici, simplement, j'ai pas pu résister à acheter la réédition japonaise du jeu Scout. Alors, le jeu original, c'était une thématique avec, c'était chez Home Games, et là, c'est publié chez... Je regarde un petit peu... Home Games, c'est une boîte Home Games qui a un format... Carte normal, tout à fait classique. Voilà. Et donc, ils ont fait une réédition, mais abstraite. Donc, les cartes, c'est vraiment... Là, maintenant, il n'y a plus de thématique, plus rien du tout. Ils ne s'embêtent plus. C'est des pions comme ceci.
J'ai déjà protégé les cartes. Donc ça, c'est le dos des cartes. Voilà. Avec écrit scout dessus, si je ne me trompe pas. Avec un S dessus, et scout. Et ça, c'est la face des cartes. Donc voilà, là, on a une nouvelle édition tout à fait abstraite du jeu, qui est très sympa. Et donc ça, bah, je l'ai vu, j'avais envie de l'avoir. Quoi. Donc l'édition japonaise, la réédition, la deuxième édition chez Aonier de scout. Ah oui, et aussi, il y a la règle en anglais dedans. Et la règle pour deux joueurs est beaucoup mieux écrite, elle est claire et compréhensible, puisque la règle pour deux joueurs dans l'édition originale n'était pas très claire, il fallait sur BoardGameGeek pour comprendre vraiment comment elle fonctionnait. Donc là, c'est le gros avantage, c'est que la règle pour deux joueurs est mieux écrite. Et alors, un jeu que j'avais déjà, que je m'étais commandé du Japon directement, des fois je fais des folies, c'est Tiger and Dragon, il était disponible cette année à Essen, enfin cette année, l'année passée à Essen, je raconte n'importe quoi. Je me suis racheté une deuxième boîte, parce que j'adore ce jeu. C'est un jeu tout à fait minimaliste. C'est un jeu, c'est un jeu d'Atsushi Hashimoto, mais en fait c'est une reprise d'un jeu classique japonais qui s'appelle le Goita et qui se joue avec des pièces qui ressemblent avec des pièces qui ressemblent à des pièces de shogi originellement. Et ici, il a repris le jeu et là on a fait quelque chose de pure joie parce qu'on a des cartes de score qui sont différentes à chaque partie. Et donc c'est un simple jeu. Ça pourrait être joué avec des cartes, mais l'éditeur a décidé de faire ça avec des tuiles de type Mahjong. Et donc c'est des tuiles bleues et rouges, numérotées de 1 à 8. Et donc la tuile numéro 1, il y en a une, la tuile numéro 2, il y en a deux, la tuile numéro 8, il y en a 8. Et il y a deux tuiles Joker qui sont un dragon et un tigre, d'où le titre du jeu. Alors, la thématique c'est censé simuler un combat de kung-fu, c'est n'importe quoi. Mais c'est un jeu minimaliste et génial. C'est un jeu où simplement à son tour de jeu, on joue une tuile, on attaque. Le joueur suivant peut défendre en jouant une tuile identique ou passer, il pourra rejouer après, etc. etc. Et c'est le premier, et donc c'est le premier qui arrive à se défausser de sa dernière tuile. Et selon le chiffre de la dernière tuile, on va gagner un certain nombre de points, ça dépend de la fiche de score. Donc ça paraît bizarre comme ça, mais une fois qu'on y joue, en fait c'est génial. Bon, ça c'est un jeu, il devrait être édité un jour en français, parce que sinon c'est inadmissible. Voilà, donc Tiger and Dragon. Et ça c'est un jeu qui est publié conjointement par OnGame et Arclight Game, qui est aussi un gros éditeur asiatique. D'après ce que j'ai compris, voilà. Je conseille ça fortement si vous tombez dessus. Il était dispo à Essen 2023, donc il doit être dispo assez facilement. Moi, la boîte que j'ai, petit poids. Je pense qu'il y a une règle en anglais dans la nouvelle édition. Ici, on n'a pas, mais les règles sont disponibles sur BoardGameGeek. Et donc voilà, ça termine, ça clôt le chapitre des jeux qu'on a ramené du Japon. Donc je ferme l'ordinateur. Ouf. Voilà, on le met de côté. Maintenant, si ça vous intéresse, on peut vous en dire un petit peu plus sur notre voyage au Japon. Je mettrai des images à la fin de la vidéo. Alors, moi, quand j'étais parti, je m'étais dit, je vais faire ça en mode full vlog. J'avais acheté un gimbal. Je m'étais dit, je vais filmer à fond, etc. Mais je suis arrivé au Japon et j'ai été complètement dépassé, je dirais, psychologiquement et émotionnellement. Je m'attendais pas à ça. Donc, j'ai même pas sorti mon gimbal de la valise. J'ai filmé de temps en temps quand je reprenais mes esprits parce que j'étais toujours complètement halluciné par ce voyage. Donc désolé les images, que j'ai peu d'images. Et, bon, on en a quelques-unes des magasins aussi quand on même. On a quelques-unes, je mettrai des images du magasin, mais je pense que ça je les mettrai avant quand on parle des jeux. Donc ce voyage, nous on suit des cours de japonais depuis septembre 2023. Et on comptait pas partir après 2 ans de cours pour avoir une base. C'était dit 2025, c'est parfait. Et comme ça, moi j'avais vraiment envie d'aller au Japon en pouvant quand même un petit peu discuter avec les Japonais, en pouvant échanger avec les locaux. Mais des gens, des personnes qui prennent des élèves... Qui les cours avec nous, nous ont proposé, tiens, ben voilà, on part en petit groupe, est-ce que ça vous tente et tout. C'était un cours où j'étais seule, Angelo n'était pas là. Oui, c'est donc vrai, j'ai vite malade. Écrit à Angelo, je lui ai envoyé le programme et tout, puis on a bien réfléchi, on s'est dit, ben oui, pourquoi pas découvrir le Japon. Un tout petit peu encadré par quelqu'un qui était déjà allé souvent, aussi pour voir un peu comment ça fonctionnait. Pour voir où on mettait les pieds. C'est peut-être un voyage ardu, parce qu'on a quand même changé 7 fois d'hôtel. Oui, c'est pas comme ça nous qu'on avait envie de faire le Japon, mais au moins c'était une première fois, une première approche, et on a très envie d'y retourner. Voilà, c'est un... Voilà, Tokyo, on s'est dit, bon, est-ce que 3 jours à Tokyo, c'est pas trop? Bah non, il faut rester plus c'est longtemps. C'est beaucoup trop peu, c'est une ville... Il faut rester un mois à Tokyo... Pleine de découvertes. Je ne sais pas ton coup de cœur, ce que tu as préféré. Mes coups de cœur, c'est les izakaya.
Clairement. C'est les petits restaurants, genre, on peut dire, qui ressemblent à des restaurants à tapas. C'est entre le qu'on bar. Qu'on découvre par hasard. C'est entre, on le débit ouvre de une porte. C'est entre le débit de boisson et le restaurant. Voilà, ouais. Ça, c'est vraiment. Alors, et après, il y a plein d'endroits fous qu'on a vus. Voilà, on a logé dans deux ryokans, donc là, on avait les repas compris. Mmh. C'est vrai que c'est à Kanazawa qu'on a découvert le premier boui-boui, par hasard, en ouvrant une porte. Ouais, le premier izakaya avec deux vieilles personnes et deux personnes un peu plus jeunes qui faisaient la cuisine et on commandait des petits plats comme ça. Voilà, on a eu quelques. Voilà, on est allé au marché de Kanazawa où on a mangé des sushis. Des sushis aussi, qui étaient super bons. Bon, on a vu tous les trucs, des bateaux que doivent voir les touristes la première fois. On a vu. On les a pas tous vus. Pas tous, mais à Tokyo, on a vu. Je ne sais plus. Ouais, à Tokyo, on a vu plein de choses. On est allé à Shibuya, on est allé voir ça, quelques temples. Voilà. Quelques temples super connus. On n'a pas tout fait, bien à sûr. À Kyoto, on a fait Gion et Anamikoji. Ça, voilà. C'était vraiment pas mal. On a de la chance parce que les autorités viennent d'annoncer au Japon qu'ils vont fermer, en fait, Gion, donc ce quartier où il y a la rue Anamikoji, etc., et des temples, aux touristes, parce qu'il y a trop de touristes et ils ne se comportent pas assez bien. Donc on a eu de la chance de pouvoir y aller. Petit coup de cœur, en fait, bon, nous, Hiroshima, c'était pas spécialement la destination où on voulait aller, mais de Hiroshima, en fait, on est allé à Miyajima, qui est une île, quand même, on a fait une petite heure de train et de bateau, et donc là, un coup de cœur, c'était vraiment un de mes coups de cœur pour finir le voyage, en plus, c'était très bien. Ouais. Enfin, tout était hallucinant, moi, j'ai l'impression que, voilà, j'avais des injections de drogue non-stop. Quand tout se mérite, hein, ça monte. Parce que, bon, on a marché... Puis on a marché. Beaucoup marché. On a encore marché. Finalement, on a fait que marcher. Donc, il faut avoir une bonne condition physique. Nous, on n'est pas super sportifs. Donc, on a quand même pas mal souffert. Voilà, mais ça valait le coup. Bon. On a pris beaucoup les transports en commun. Métro, bus, alors, train. Les transports en commun, en fait, il ne faut pas avoir peur. À Tokyo, le métro, c'est très facile. Une fois qu'on a compris, c'est super simple. On peut se déplacer à Tokyo très facilement en métro. Le train c'est très simple aussi à utiliser, très efficace, très confortable par rapport à ici. Tout est très propre, tout est à l'heure. Et surtout à l'heure. Le Shinkansen, ça c'est génial, c'est une expérience exceptionnelle. Voilà, donc on y retournera. On y retournera, mais là, différemment, on fera deux ou trois endroits voilà, pour plusieurs éviter jours. De changer trop voilà, souvent. Et on compte faire plusieurs voyages au Japon, mais en vraiment en restant à des endroits et en profitant et en découvrant des choses. C'est tout ce qu'on a à dire à peu près. Si, j'ai un seul, du haut de ma grande expérience de touriste qui n'a été qu'une fois au Japon, si je devrais donner un conseil, c'est de quand même faire l'effort d'apprendre quelques mots de vocabulaire. Oui, parce que le peu qu'on a déjà appris, finalement, nous a servi. Et ça a changé notre expérience de notre voyage. Donc, si vous, toutes les petites phrases que vous savez dire en anglais quand vous voyagez pour demander votre direction, le prix de quelque chose. Au revoir, voilà, merci beaucoup. Faites tout ça en japonais. Abordez les Japonais en japonais. Ils vous seront extrêmement reconnaissants. Clairement, ils pilleront un 4 pour vous dès que vous leur parlez en japonais un petit peu. Voilà, donc parce que il y a un taximène qui était super content, qui nous a remercié de lui avoir parlé japonais. J'ai vu des gens, des touristes qui abordaient, qui voulaient entrer dans un taxi, dès que la porte s'ouvrait, au lieu de dire bonjour et merci, c'était tout de suite English. Le taximène, il fallait non, zen zen, hop, et il se tire, il ne les prend pas. Donc, parler japonais. Surtout que, par exemple, on était à Hiroshima, la dame tout de suite nous disait pas de menu en anglais, mais nous on a dit, bon voilà, il y a aussi Google Lens hein, qui aide quand même mal. Donc, avec certaines traductions un peu spéciales. Voilà, le plus intéressant, c'est rentrer dans les endroits, c'est sortir des lieux touristiques. Et là, justement, manger. Où il n'y a pas de menu en anglais. Voilà, et quand vous ne voyez pas écrit menu en anglais et tout est en japonais, il faut avoir le courage d'entrer. Si vous savez dire deux, trois mots en japonais, même bonjour, merci et les formules de politesse, apprenez-les. Dans quelles circonstances vous les utilisez et abusez-en, n'hésitez pas. Pour nous, ça a l'air ridicule, cette politesse, mais pour les Japonais, c'est super important. Très important. Et donc, voilà, ça va aussi vous ouvrir des portes. Et les gens, en fait, ils s'ouvrent tout de suite. Dès qu'on parle japonais, ils s'ouvrent directement et ils vont vers vous, ils vous posent plein de questions. Ils sont toujours très curieux de savoir d'où on vient. C'est sûr qu'avec Google Maps, parfois, Google Maps nous a fait quelques... Oui, alors Google Maps... Quelques infidélités, comme on dit, des farces. C'est très bien... pour le métro, donc parce que là, vraiment, Google Maps est très utile pour le métro. C'est très bien pour garder sur la map où vous êtes, mais ne cliquez surtout pas sur démarrer quand vous êtes à pied. Ou vous ferez le tour du quartier avant d'arriver. Voilà, il va vous perdre complètement. Donc ça, pour ça, Google Maps... Et donc là, plusieurs fois, on a demandé notre chemin, et finalement, les deux dames là, qui ont s'adressé, nous ont fait demi-tour, et nous ont accompagnés jusqu'à l'endroit où on devait aller. Je me suis bien excusé en les abordant, en restant à distance, en étant poli, en leur parlant un petit peu japonais, et donc...
Voilà. Et les vieilles personnes sont très sympas aussi là-bas. Il y a beaucoup de vieilles, c'est étonnant, il y a beaucoup de personnes âgées. Voilà, personnes âgées, soyons politiquement corrects. Nous sommes des personnes âgées, quelque part. Donc, pas encore, tout à fait. Il y en a beaucoup qui travaillent, mais je pense que c'est parce que je pense que le système de pension là-bas est pas terrible. Ils ont une très petite pension. Il y a beaucoup de vieilles personnes qui... Et puis finalement, à Kyoto, on a pris le taxi. Hein, parce que là, oui, il y a des villes Kyoto est assez moins bien... Enfin, il y a des métros, il y a des bus, mais qui ne vont pas spécialement vers les endroits touristiques. Voilà, il ne faut pas non plus... Surtout qu'on avait un timing restreint. Il y a certains endroits, il ne faut pas hésiter à prendre le taxi. Il n'est vraiment pas très cher. Parce on gagne du temps et on est gagne du temps. Et c'est 10 à 15 minutes en taxi, les trajets qu'on fait dans une ville, et c'est vraiment pas cher, et c'est parfois dans certains, comme Kyoto, je conseille le taxi plutôt que les transports en commun, sinon on est reperdu un temps fou déjà à comprendre. Le bus, c'est plus compliqué à prendre évidemment que le métro. Voilà, donc super expérience, voilà, à découvrir. Nous on y retourne, on est convaincus et on continue les cours, etc. Voilà, et donc on vous dit matané, à bientôt, ciao.
presque. On peut faire des dents. Oh là là. Regarde ça. Ah non, fous-moi la tête. Toi, tu veux pas? Oh, regarde-moi qu'il est beau, lui. Non, lui, c'est bon, mon chéri. Oh, c'est bon, ça. Alors, oh.
Attends, regarde. Oh, elle est bonne aussi. Je vais pas dire, je vais pas dire.
n'avait pas eu ce qu'il y a. Thank you.
Rémi, regarde derrière toi. Donc la vallée est derrière en fait. Toute la vallée Soufrière et en dessous est derrière. Super, Rémi, j'ai tous tes commentaires à la con sur ma vidéo. Thank you.
可以。
Thank you.
Thank you.